Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, nous allons faire le petit tirage du jour. Donc, premier tirage avec ce jeu-là, comme d'habitude, le nouvel oracle du petit Lenormand. Et tirage suivant avec ce jeu-là. Donc, en fonction de votre humeur, vous choisissez l'un ou l'autre, ou les deux, comme vous voulez. On y va? Voici le petit livre. À l'intérieur, c'est comme ça. Les cartes sont comme ça. Alors, comme chaque jour, je vous rappelle que c'est un tirage que je fais pour vous et non pas pour moi. Il vous faut vous poser une petite question, choisir l'une des trois cartes. Et on lira la signification ensemble. Voilà. Allez. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Vous êtes prêts? Vous avez choisi votre carte? On y va? Carte numéro 1. Le bateau. C'est une carte de mouvement. Sa valeur temporelle s'exerce sur les mois à venir. Elle est donc dite rapide. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle peut signaler une période de déplacement, un voyage, des vacances, un break, un besoin d'évasion. Parfois, mal entourée, cette carte peut aussi signaler que le consultant a besoin de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. C'est aussi dans certaines circonstances la fuite en avant, le refus de prendre ses responsabilités. Aux côtés de l'âme positive, la carte du bateau indique l'arrivée d'un cycle d'exploitation, de découverte, de nouveaux horizons, d'un nouveau départ. Voilà, carte numéro 1. Carte numéro 2. Les poissons. Allez. C'est une carte. Cette carte est souvent associée au travail et à l'argent. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, qu'est-ce que tu fais? Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Arrête un peu. Oh. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait l'imbécile. Cette carte est souvent associée au travail et à l'argent. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle annonce une période propice à une augmentation ou à une renaissance professionnelle. C'est la carte qu'il faut tirer pour réussir dans les affaires ou gagner un procès. Carte de l'opportunisme, elle signale que le consultant parviendra toujours à s'en sortir et ce, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il vive. Elle est là pour indiquer à celui ou à celle qui l'interroge l'oracle de suivre ses intuitions et d'aller au-delà des apparences. Sur le plan professionnel, le consultant a les coups des franges. Il n'a plus qu'à suivre les courants. Parfois, la carte des poissons symbolise le gain de liberté. Sur le plan amoureux, c'est la lame de la fusion, de la sensualité, de la passion, de l'amour inconditionnel. De manière plus générale, les poissons peuvent aussi représenter un voyage, des vacances ou encore la prise de distance. Prendre le large, la détente, buller. Au négatif, c'est le flou, les doutes, les incompréhensions, l'insatiabilité. Voilà. Carte numéro 3. L'homme. Alors, que dit cet homme? Cette carte est souvent la représentation imagée du consultant dans un tirage lorsqu'il s'agit d'un homme. La réduire à cette utilisation est toutefois dommage.
S'il est vrai que dans certains tirages, elle peut prendre les traits du consultant, du mari, du père, du frère, du collaborateur ou d'un supérieur, la carte de l'homme peut aussi être interprétée à la façon de l'empereur dans le tarot de Marseille. Ainsi, au travail comme dans la vie amoureuse, elle présage un cycle d'équilibre et de stabilité. Bien entourée, elle signalerait que le consultant saura garder le contrôle des événements. C'est le sens de la performance, le besoin d'aller droit au but ou à l'essentiel, la combativité, la capacité à lancer des projets. Voilà pour le petit tirage du jour. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je fais le tirage suivant, pas maintenant là. Donc, prenez soin de vous, à bientôt, salut, salut!